ils sont venus voir le magasin, ils ont visité l'atelier, ils sont restés un peu dans le magasin, même quand il y avait du monde, des clients notamment, pour voir un peu notre façon de travailler, d'approcher le client, le suivi. On a commencé par un audit donc de l'Institut, les prestations, la philosophie de l'Institut. Donc on a cherché les points faibles, les points forts, pour faire transparaître et amener l'Institut sur Internet. L'intérêt, c'est que ça amène un regard extérieur sur notre façon de travailler. C'est-à-dire que quand on est dans le boulot, on est tous un peu pareil, j'imagine, on a la tête dans le guidon, on avance et souvent, au bout d'un moment, on oublie des défauts qui nous paraissent plus du tout évidents comme on ne voit pas. Et avec un regard extérieur qui arrive, ça nous fait remonter des choses qui peuvent évoluer. Donc d'abord, il y a l'écoute, donc vous l'audite par rapport au magasin et à la spécificité du métier. Les objectifs, c'est eux qui me les ont conseillés. C'est vraiment notre façon de travailler. Je trouve intéressant qu'il ait eu la pertinence de vouloir vraiment l'inscrire sur le site. Là, vraiment, je me suis presque même laissé faire. En règle générale, je suis quelqu'un qui prend les devants et qui aime bien imposer sa vision. Mais place aux professionnels, et là, ils m'ont prouvé qu'ils l'étaient, donc je m'en remets à eux.